Yeah. 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 I said I feel invisible. They like, Poppy, what you getting to? I pop a brick or retarded. Wait. Yeah. 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 Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on se retrouve pour notre dernière séance de la semaine. On va commencer. Alors, avec l'échauffement, 4 exercices. Premier exercice, front squat. Donc, pour le réaliser, soit vous prenez un sac que vous remplissez et comme ça, on va le mettre au niveau des clavicules. Soit vous prenez un poids ou des bouteilles d'eau. Un pack d'eau peut suffire aussi également. Donc, pour le front squat, pour au niveau des clavicules, pied dans l'alignement des hanches. Après, on garde la même chose que sur un air squat basique. C'est juste que là, on va venir rajouter de la charge. On descend, on garde droit devant soi. Et on remonte. On inspire à la descente et on expire à la montée. On laisse les genoux partir vers l'extérieur. Hop. De profil. On envoie les fesses vers l'arrière et vers le sol. Et on remonte. On ne claque pas les genoux à la remontée. Ça, c'était notre premier exercice. Deuxième exercice, on est au sol, on a des crunchs. Donc, pour les crunchs, genoux au-dessus des hanches, donc angle à 90 degrés, main au niveau des tempes, et là on va venir chercher à décoller les épaules et à regarder au-dessus de soi, pas entre ses jambes, sinon vous allez tirer sur la nuque et créer des tensions. Si c'est compliqué, on garde le genou au sol, relevez le buste simplement, on expire en même temps, on inspire la descente, et si c'est trop simple, on essaie de gagner de l'amplitude et de chercher à décoller les omoplates. Ok. On est bon pour nos deux exercices. Troisième exercice, fente pliométrique. Donc, pour les fentes pliométriques, même idée qu'habituellement. Donc, soit on part du sol pour se placer, alignement angle à 90 devant, donc alignement genou-cheville. À l'arrière, pareil, alignement genou-cheville, on remonte. Regarde, un léger espace entre nos deux jambes pour avoir un bel équilibre. Et ensuite, hop, on vient, on alterne les répétitions en réalisant de petits sauts. Si c'est compliqué comme ça, on les fait en dynamique. On peut utiliser les bras. Après, il nous reste un dernier exercice. Donc après, pour les fentes, regardez bien les différentes options. Réglez aussi l'amplitude que vous voulez y mettre. Et voilà. Dernier travail, développé militaire. Donc là, j'ai pris des bouteilles. Vous pouvez prendre des poids, vous pouvez prendre des packs. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut le faire sans matériel. Donc l'idée, on est souple sur les genoux. On descend. On vient développer au-dessus de la tête. On fléchit légèrement les genoux pour amortir, pour que ce ne soit pas que nos épaules qui travaillent. Contrôlez le mouvement. Tendez les bras. Quand vous remontez, pensez à bien inspirer et on se voit pour la suite.